bar, de la polvo et du beau monde. C'est aussi un événement qui a permis d'amasser quelques 200 000 $ pour la relève de la Fondation Chum. Ce soir, ça fait longtemps qu'on y pense. On voulait créer un cercle de jeunes professionnels, 25-45 ans, dynamiques, qui veulent s'investir pour la cause du CHUM. Et puis, on les a trouvés, on a fait notre recrutement et ça fait 10 mois qu'on se prépare pour cet événement-ci. C'est un événement qui se veut inusité, donc c'est comme ça qu'on se démarque. C'est vraiment une thématique hôpital. On a donc le département de nutrition, donc c'est trois stations de la suite 701, la taverne Gaspard et puis le restaurant Bevo. Foie gras, huîtres, homards, pizza, pizza au Nutella plus tard ce soir. Donc, je pense qu'il y a de quoi plaire un peu à tous les palais. Je passe énormément de temps à parler à des gens qui sont seuls, qui sont malades, ben, au 88.5 entre autres, mais des gens aussi en santé. Hein. Fait que c'est vrai qu'on dirait que je suis plus sensible à la solitude, à la maladie, à des infirmières, à des médecins qui ont besoin de plus en plus de matériel. Et le CHUM, ça s'en vient. Je vieillis, Caroline. J'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais aussi peut-être avoir besoin de services comme ça, mais pourquoi commencer à donner tout de suite? Ben, je pense pour donner des sous pour les causes, c'est vraiment important. Si tu veux faire de la recherche ou si tu veux avancer, ou sûrement avoir des leads dans des hôpitaux, c'est important parce que sinon, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas rentrer à l'hôpital parce qu'il manque de leads. C'est important. Je veux dire, des enquêtes, le monde, il passe sur les affaires de Montréal, les affaires de hockey, c'est le fun. Et honnêtement, ça va vraiment être bon, puis le party est le fun. Comme disait Yvon Deschamps, pauvres, vieux, jeunes, riches, on a tous besoin d'être en santé. Ça touche tout le monde. Et puis, c'est ça. Donc, on est tous rassemblés ce soir, 400 personnes. On espérait 250, il a fallu refuser des gens. C'est un beau succès. Je dois vous avouer, nos membres de comité sont très heureux.